Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft avec ce petit robot hélicoptère que j'aime bien finalement, hein, qui s'est avéré être assez efficace. Nous sommes en Battle Arena comme vous pouvez le voir, hein, de toute façon ça maintenant vous commencez à avoir l'habitude. De temps en temps je vais quand même rappeler un petit peu les règles du Battle Arena, récupérer plusieurs tours pour détruire pour désactiver le bouclier adverse et pouvoir rejoindre la dernière tour ennemie, le corps, qui lui est en fait correspond simplement au point de vie de la base ennemie. Oula. Il a envie de passer par devant. Hop. Donc nous sommes dans le Halloween Fest, hein, Halo Fest, je crois qu'il l'appelle, je sais plus exactement. Quoi qu'il en soit, c'est le troisième. Alors moi, je commence un petit peu à m'impatienter parce que ils ont l'air d'être fiers que ce soit le troisième. Et pourtant, ça veut surtout dire que c'est le troisième. La troisième année où ils sont encore en bêta. Et pourtant le jeu reste encore véritablement, c'est pas du tout une bêta aboutie ni rien, hein. Donc bon, je ne sais pas. Hop. D'accord, il y a un monsieur qui a rigolé. Hop. On va taper sur lequel. Ah, par contre j'aimerais bien qu'on me heal de temps en temps moi aussi. Ah. Ah. Pose-toi Marcus. Bon, ils sont tous là, j'espère que certains d'entre vous ont pris les devants et... Hop. On va reculer un petit peu. Alors. Mais merde. Ah mais il m'envoie des têtes de mort. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais non mais calme-toi. Ah mais merde, ça va être pour ma gueule. Ah il veut pas me voir, hein. Pensez-vous qu'il allait y avoir un seul qui allait lui tirer dessus? Mais non. Pourquoi donc? Pourquoi faire? Bon c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, mais c'est Régigigas de Pokémon. D'accord, j'avais pas capté. J'ai subi la loi de Régigigas. C'est un Pokémon pseudo-légendaire. Enfin, moi, j'ai pas du tout apprécié ce qu'ils appellent les Régis. Hein. Ok, vas-y, mets-toi à couvert. Hop. Tu es mort, voilà. Ah, je peux plus tourner. Bon. Hop, merci. C'est serré, hein, quand même. Hein. Ah. Mets-toi à couvert, j'arrive. Hop. Voilà, un petit peu de heal pour tout le monde. Hop. Hop. Bah alors, Régigigas. Hop, je recule. Hop. On a deux tours sur trois. Hop. Allez-y les filles. Parfait. On remonte. Même si je sais pas pourquoi, je pense qu'ils vont nous contourner. Aïe. Je suis pris quelques tirs. Ah, j'ai plus la puissance nécessaire. Allez comprendre pourquoi. Allez comprendre comment ils ont réussi à péter les trucs qui étaient au-dessus de moi. Hop, allez-y les filles. Allez-y. Hop. Alors on m'avait dit à une époque que le clic droit qui était en tir automatique, qui visait automatiquement, consommait plus que le clic gauche. Est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que ça ne l'est plus? Hop. Hop. Ah, on se fait attaquer directement chez nous. Pourquoi pas?
Je déteste ce jeu pour ça. J'arrive. J'arrive pour que tu me heal et que je te heal et qu'on se heal et qu'on ne se healera pas. Parce que j'ai pris trop de dégâts. Ah, voilà, rect. Je déteste ce Régigigas. Je sais pas comment il est équipé, mais il fait tellement mal. Allez, les filles. Nakuro combat mec, d'accord. Nasuro. Remarque, il est sympa. Il est carrément sympa. Hop, on y va. Oh, ils ont récupéré une tour. Laquelle? 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 Bleu. Bleu. Chez nous? Hop. Je vais récupérer notre tour. Hop. Mince, je suis plus aussi bien placé qu'avant. Voilà. Ça c'est fait. Alors dans ce mode, il y a aussi un système de leveling, on va dire, que vous pouvez retrouver donc... Oula. Hop, que vous pouvez retrouver directement en bas à gauche de l'écran où actuellement je suis niveau 10. Augmentant notre capacité, la capacité de toutes les armes, tous les composants effectifs du robot. C'est-à-dire tout ce qui est système de vol, système de déplacement, armement et module annexe. Donc ça augmente, ça réduit par exemple la taille des, la longueur des chargements des armes, etc. etc. Leurs dégâts, etc. Ça augmente leurs dégâts. Bref, plein de choses comme ça. Ah là 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 là. Dès que je repop ce machin, il pète une durite. Si j'ai encore un mec qui pop de par là. Hop. Oh, rect. Je vais tellement être rect. Ah, voilà. Tout ça à cause de Célico, j'imagine. Ah non, c'est lui. C'est... Voilà, voilà, donc là on a affaire à un mec qui cheat, ou qui glitch, ou qui use bug, vous dites ça comme vous voulez, hein. Mais c'est dégueulasse. C'est clairement dégueulasse. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure au début de l'épisode, que avant de commencer à faire des événements, ce genre de choses, pour qu'on leur donne plus d'argent, parce que oui, effectivement, il y a un système de... Hop. Voilà, merci d'avoir récupéré cette tour. C'est encore moi qui prends. Boum. Voilà. Hop. Hop. On recharge bien. Hop, voilà. Ah, voilà, c'est bon, victoire. Encore une victoire de canard. Bon, eh ben, il est vachement bien ce robot, j'aime beaucoup. Donc bon. C'est assez cool. Je suis deuxième, ça va. Je suis loin derrière, mais je suis loin devant l'autre aussi. Un peu moins loin que je suis derrière, mais quand même. Un peu moins loin que je suis derrière, c'est une belle phrase. Ok. Donc, voilà. Ok. Parfait. Et voilà, voilà les nouvelles boîtes, entre guillemets, les boîtes de cet événement, avec en fait la couleur intégrée dans la lumière de la boîte. Mm-hmm. D'accord. Bon. Pas génial. Qu'est-ce qu'on va prendre comme robot? Qu'est-ce qu'on va prendre comme robot? Hop. Maintenant qu'il est armored, ça pourrait être sympa. Je me tâte. Je me tâte. J'aimerais juste voir un truc vite fait sur ce robot. Juste vite fait. Est-ce que je pourrais pas... Imaginons.
Hop. Ah, c'est dommage, j'ai pas de cube. Ah, c'est vexant. J'ai pas d'armement. Effectivement, j'en ai plus. D'accord. Bon, je vais reprendre une, hein. Hop. Vu que ça passe. Voilà. Je pourrais presque en mettre une là aussi, mais... J'ai peur que ça fasse trop. Et que je me cogne. J'ai peur que ça fasse trop et que je me cogne, mais c'est pas grave, on verra bien. Hop. Hop, on passera au niveau au-dessus après. quand on aura les nouvelles. Enfin, les autres désintégrateurs. Hop. Hop. Ah, j'ai pas assez de CPU. Ah, ça c'est dommage. Ça, c'est véritablement dommage. Bon, on va rajouter qu'une alors, hein, c'est pas grave. Hop. Bon, j'ai pas acheté véritablement pour rien. On va juste voir si ça continue à voler comme il faut. Vite fait. Voilà. Bah, vous voyez, ça marche. Hop, cool, 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 cool. Back to Edit Robot et on va partir en Team Deathmatch. On va voir si c'est toujours aussi efficace. On avait vu le retour des shotguns, donc je demande à voir. Même si vous m'aviez dit que les shotguns étaient véritablement efficaces en Team Deathmatch uniquement. Voici ce qui vous attend, votre planète brûlera. Bah, c'est triste, hein. Vas-y, ose. Je t'ai vu. Je t'ai vu faire. Moi. C'est rigolo. Hop, back to main menu. Play, Team Deathmatch, on y va. Je l'ai vu se foutre de ma gueule. Alors. Ça c'est bon. J'ai rajouté certains d'entre vous dans le clan, chers amis, hein, ceux qui avaient mis des pseudos valides. Parce que des fois, j'ai rentré des pseudos. Je me suis dit, bon bah voilà, un de plus. Et finalement, il n'y avait personne. cet utilisateur n'existe pas. What? Bon, ok, pourquoi pas. Donc bon, c'était un peu dommage. En tout cas, j'ai fait de la place pour ceux qui veulent venir farmer l'XP pour le groupe. Hop. Ah mais casse-toi! Oh! Ah! Ok. Ils ont déjà pris un kill. Ça sert à rien de leur en donner plus. Ah! D'huile, merci. Hop. On est vraiment pas aidé. Hein. Kepae, je comprends pas ce que ça veut dire. Ah! Et y'a pas un... Si, j'ai vu un anti-aérien tout à l'heure. Hop. Lui, il est mouru. Les autres, je les vois pas. Ah, mais me rentre pas dedans! Tu l'as mal placé! Ah. Mais tirez-lui sur les hélices!
Oh, puis il va faire que ça. Il va faire que ça, se planquer. Il va faire que ça. C'est pour ça que c'est saoulant. Il va rester planqué là-haut avec ses hélices, comme un trou du cul. Donc ça sert à rien de rester là, hein, qu'il sorte. C'est débile. Voilà. Bon, c'est pas grave. Il va faire que ça, c'est pas grave. Arrêtez d'essayer de le buter, sortez du truc plutôt. Réfléchissez 2 secondes. Oh! What? Oui, bah c'est débile, je suis désolé, c'est débile. Le mec, je tire 3 tirs de shotgun dans le nez, ça le tue pas, quoi. Qu'on m'explique. Oh là là! Hop! Est-ce que je suis le seul? Ah ouais, je suis tout seul. Je suis tout seul. Non mais je préférais avoir du heal, hein. Parce que là, toi, tu sers à rien déjà de base, hein. Oh, ça va être rigolo, tiens. Ça va être rigolo comme partie. Voilà, ils font que ça. Ils campent là-dessus et ils attendent. Parce qu'on est tombé sur une équipe où nous, de notre côté, on n'a aucun aérien. Donc voilà, merci le matchmaking à la piste de Free Jam. On peut rien faire, on est définitivement moisi. Hop, voilà. Voilà, ils font que ça, c'est l'éclate. Merci, le matchmaking à la pisse de Free Jam. Je suis désolé, là, il n'y a aucune pitié à avoir. Si vous n'êtes pas fichu de faire du matchmaking, alors donnez tout simplement la possibilité aux joueurs de changer de robot en plein milieu de partie. Hop, voilà. Allez, hop. Restez sous le pont. Ah, j'aurais tellement aimé être heal. Le mec, il me vise même pas pour le jeu. Hop. Voilà. On est remonté, mais putain, on en chie. Hein. Quand je vois ce qu'il faut faire. T'es sérieux là? Ah bah bien. De quel côté? Léo, bah c'est de notre côté, bah oui, forcément. Forcément, ça pouvait pas, on pouvait pas être tranquille. Hop. Hop. T'aurais pu continuer à me heal, non? C'est bon, je suis full. Hop, voilà, c'est tout ce que tu sais faire. Te planquer comme une merde. Voilà. C'est génial. Non, mais ça sert à rien de les écouter, hein. Putain. Ah, la gueule!
Ce matchmaking à la pisse. C'est pas possible. Et moi, mon heal? Oh! Ah non, je suis full! Qu'est-ce que c'est que cette position? Faites pas piéger à l'intérieur, manquerait plus que ça. Bah voilà, bien joué. Ah bah ils sont deux maintenant, bah voilà, bah vous faites plus que ça maintenant. Ah bah voilà, bande de putes. Non, bah non, moi je me casse. Non. Préfère encore me casser. Hop. Ça va pas la tête. Ah, mais me poussez pas! Ah, mais il va faire que ça! Déchet ambulant! What? Ah bah oui, tu sais faire que ça, de toute façon. Putain. Et il tombe même pas! Putain, tu pètes ses grosses hélices et il tombe même pas. Voilà, tout ce que tu fais, salope. Putain. Voilà. Ah, tu t'éclates, hein. Hop. Non, non, je vais pas bien dans ton trou à merde. T'as cru? T'as cru, t'as cru? Ah, c'est tout ce que tu sais faire, hein. Mais non, mais casse-toi! Cassez-vous, faut pas rester là! Et ça spot même pas les ennemis! Hop! Qu'est-ce qui m'a tiré dessus? Qu'est-ce qui m'a tiré dessus? Victoire. Ah bah il y a eu une défaite de l'autre côté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné? C'est bien. Bravo. De toute façon c'était dégueulasse comme matchmaking je trouve. Enfin bon, c'est pas grave. On aura quoi comme couleur? Rose bonbon. Hop. Ok, bon, 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 bon. Eh ben, je trouve ça récurrent comme matchmaking encore une fois, mais bon, c'est comme ça, je pense, hein. Donc du coup, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, à vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Faut que je m'entende quand je parle, sinon j'y arriverai pas. N'hésitez pas aussi à rejoindre le groupe, hein, si vous êtes actif. Vous voyez, j'ai fait de la place, il y a 14 places de mise. Donc encore une fois les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens, et yo!